done. Comme nous sommes amis, c'est pour être tout seul ensemble. Je suis toute seule, mon mari à côté de moi tout seul. Et puis, nos enfants aussi seront tout seuls de leur côté. Dans cette maison, tout le monde se regarde comme chien et chat. Nous vivons tous ensemble, mais séparés. Et puis tu pars, et tu formes une autre cellule isolée. S'est éveillé. Même si la nuit persiste, ma faim s'évapore. Un souvenir ou une prémonition. Un thème qui revient souvent, qui me vole mon souffle et se refuge dans mes poumons, qui tente de refaire surface à un événement tellement douloureux, qui ne peut ressurgir sans témoin. Il m'est envoyé dans mon sommeil. Mon portail était ouvert et la douleur qui cherchait refuge au repos. Ma honte
est enterré dans une boîte, empilé sur des tablettes de boîtes semblables, tel un enfant enveloppé dans du papier mouchoir. Elle ne trouve aucune place pour se cacher, séparée, désorientée, avec des barrières changeantes qui tournent et m'encerclent. Je me suis fait emprisonner et tué à maintes reprises dans mon sommeil et dans mes voyages. Il y a toujours un vaisseau en attente de se faire remplir par l'insensibilité de la race humaine. Je vois la vérité dans la face de la mortalité. Donc, je meurs à chaque nuit pour m'éveiller chaque matin. Plus proche de la douleur et en même temps plus éloigné de ma triste réalité.